Bien heureux d'être avec vous aujourd'hui pour le message. Bienvenue à cette, ce message de l'Église de Portail en ligne. Salutations à ceux qui nous suivent, les chrétiens de d'autres églises, les curieux partout en francophonie. C'est un honneur pour moi d'être dans vos oreilles. Est-ce que ça t'est déjà arrivé un bon matin? De te réveiller, d'aller et de t'asseoir pour lire ta Bible. Hein, C'est un conseil que je donne à, aux chrétiens de, de lire régulièrement sa Bible. Et tu arrives en ce beau matin, tu es un peu endormi, un peu sur le pilote automatique, euh, ça ne te tente pas, tu es peut-être fatigué, peut-être un peu dans l'habitude, ou peut-être même que tu, tu vis une saison difficile puis tu as besoin d'une parole. Et tu ouvres ta Bible, tu lis le texte où est-ce que tu es rendu ou le texte qui t'est suggéré ou peu importe et en lisant le texte tu termines ta lecture et tu te dis mais pourquoi C'est quoi le rapport Et tu es zéro béni parce que tu viens juste de lire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Come on. Ça nous est tous déjà arrivé. Et ce matin, on va explorer, aujourd'hui, on va explorer ce texte que vous avez choisi au travers d'un sondage. Et euh, vous êtes un peu particulier parce que vous avez choisi le texte le plus horrible, le plus dégoûtant de toute la Bible. Le texte le plus immonde, le plus cruel, le plus difficile. Et, euh, et c'est littéralement un épisode de Dexter et même encore pire. C'est un texte très, très cruel. Et euh, donc, je donne cet avertissement. Si tu nous écoutes en ce moment dans, un, dans, ta, dans ta TV, dans ton salon, si tu es en voiture et qu'il y a des jeunes enfants avec toi, euh, avertissement, le texte biblique est très explicite et peut offusquer certains auditeurs. Okay? Et si tu es un ado, je t'avertis, euh, c'est un texte cru et tu vas probablement être extrêmement étonné même de savoir que c'est dans la Bible le texte qu'on va explorer c'est l'histoire de la concubine découpée par le lévite oh t'as bien entendu <laughs> t'as bien entendu alors laisse-moi te mettre en contexte on est dans le livre de juges dans l'ancien testament et le peuple de Dieu, Israël, est à son plus bas. Le peuple est loin de Dieu. Et Juge, chapitre 2, verset 10, au tout début, ça nous dit que tous ceux de sa génération, donc la génération de Josué, il y a eu Moïse, il y a eu Josué, la conquête, et tous ceux de cette génération-là disparurent à leur tour, donc ils sont morts. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. En d'autres mots, cette nouvelle génération commence à être déconnectée, s'éloigner. et à chaque chapitre du livre de juges, on voit de plus en plus le mal qui augmente et lorsqu'on avance dans le récit, la finale de ce livre nous fait encore plus peur. On voit leur incapacité au peuple d'Israël depuis sa sortie d'Égypte, à suivre Dieu, à suivre les lois de Dieu, à honorer l'alliance avec Dieu. Et on arrive à la toute fin du livre des juges, chapitre 21, le dernier verset qui résonne comme un, un refrain qui est là tout au long du livre des juges, on le voit, et ce refrain est le même au début et à la fin, et le voici. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Constamment dans le livre des juges, on voit ça. Et donc ça, c'est le contexte du livre des juges. Et le, le texte va, sur lequel on va euh, viser nos regards, c'est le chapitre 19. Et je vais vous raconter un peu ce qui prend place dans le chapitre 19 avant d'arriver vraiment à, à l'élément clé, euh, ou du moins à, à, au nœud, là, vraiment le, le récit le principal. En fait, euh, quand on lit le chapitre 19, c'est comme un peu quand il y a une fuite de gaz, hein, une fuite. Ça sent le propane, ça sent le gaz, ça sent mauvais, mais tu le vois pas. Puis il peut y avoir juste une flamèche et tout explose. Tout va exploser. Et de la même manière, on, on, on lit le texte, on lit le récit, on va le voir ensemble et ça sent mauvais jusqu'à ce que ça dégénère d'un coup. Et voici ce qui prend place au verset 1. En ces jours-là, encore une fois, il n'y avait pas de roi en Israël. Et on peut s'imaginer le même refrain. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors un Lévite faisait ce qui lui semble bon. Il prit pour une concubine une femme de Bethléem de Juda. D'abord, on voit un Lévite, un prêtre, un serviteur de Dieu, un homme mis à part pour être saint, mais qui habite même pas dans une ville qui est attribuée pour les Lévites. Et en plus de ça, il a une concubine. Une, on, peut, on peut dire aussi qu'elle s'est appelée une femme de deuxième rang. On voit déjà que c'est pas un bon prêtre. Pas, ça semble pas être un bon lévite. Il prend une femme sans s'engager envers elle. Et déjà, déjà dès maintenant, on pourrait, on devrait être un peu offusqué. Malheureusement, aujourd'hui, dans cette ère moderne que nous vivons, on trouve plus ou moins ça offensant. De prendre une femme sans la marier. De prendre une femme sans s'y engager avec elle, de vivre avec elle mais sans honorer le mariage, ça semble pas si grave que ça. En fait, oh, hein, on fait mal à personne. Chacun faisait comme bon lui semble. On poursuit, verset 2. Cette concubine fut infidèle au Lévites. Elle va décider d'aller voir ailleurs. Puis elle le quitta pour retourner chez son père à Bethléem de Juda. Ensuite, quatre mois plus tard, le Lévite va décider d'aller la voir chez son père et la persuader de revenir avec gentillesse. Il va essayer de gagner son cœur. Il semble qu'il y a une réconciliation là, puisque l'homme en question, le Lévite, va rester chez elle, chez eux, chez son beau-père. Ils vont avoir du bon temps ensemble. Et à un moment donné, il va décider de retourner à la maison avec sa concubine et son serviteur et ses ânes. Ils vont partir de là-bas. Et le soleil va se coucher, alors qu'ils sont en chemin de retour. Et le serviteur va dire, voici, on devrait s'arrêter à une ville pas si loin d'ici, à la ville de Jérusalem. Maintenant, Jérusalem, à cette époque-là, à ce moment-là, elle n'est pas habitée par des Israélites. C'est une ville étrangère. Et donc, le, le Lévite dit, non, 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 j'aime pas trop ça. J'aimerais mieux qu'on fasse un détour, qu'on aille un peu plus loin. On va s'arrêter à Guibéa, qui, elle, Guibéa, est une ville d'Israélites de la tribu de Benjamin. Parce qu'ils se disent, voici, eux, c'est une ville étrangère, eux, c'est une ville de, de chrétiens. Ça devrait être sécuritaire. Encore une fois, le titre n'est pas suffisant. Ce n'est pas de savoir que c'est une ville d'Israélites. La question, c'est de savoir est-ce que Dieu a transformé leur cœur. Puis il y a des gens, tu as vécu ce genre de situation où -ce que tu as eu une mauvaise expérience avec des gens qui sont chrétiens de titre. Mais tu dois te rappeler que la question n'est pas est-ce qu'ils sont chrétiens de titre. La question c'est est-ce que leur cœur est régénéré? Est-ce que le Saint-Esprit les habite? Est-ce qu'ils portent du fruit? C'est comme ça qu'on reconnaît un chrétien, par le fruit qu'il démontre, donné par le Saint-Esprit. Alors, ça me rappelle lorsque mon fils est né, mon plus, mon, mon, mon garçon, mon premier-né, et on est à l'hôpital. Et, euh, et dans le, le premier jour, les infirmières rentraient dans la chambre, puis me regardaient, puis me regardaient tenir mon fils, puis me posaient la question est-ce que c'est vous le père? Ouais, c'est moi le père. C'est moi qui ai le titre. Mais à l'intérieur de moi, il n'y avait pas grand chose de paternel. Là. Je ne savais juste pas comment tenir mon gars. Et c'est de la même manière, le Lévite euh, choisit cette ville-là à cause de leur titre, mais ne se pose pas question par rapport à leur cœur. Il va choisir cette ville, ça semble logique, et voici ce qui va prendre place. Verset 14, « le soleil se coucha quand ils furent près de Guibéa, qui appartient à Benjamin. Ils firent un détour pour aller passer la nuit à Guibéa. Il entra et s'arrêta sur la place de la ville, de la ville, mais personne ne leur offrit hospitalité pour la nuit. Évidemment, encore une fois, ce n'est pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas un Hilton ou un, un, un motel de, du, du coin, du village. Non, non, non. C'était comme ça que on cherchait à être hébergé. On allait à la place de la ville. Et on attendait de recevoir une invitation. Et les gens avaient comme coutume d'être très hospitaliers. Mais là, c'est un peu particulier. Dans cette ville d'Israélite, il n'y a personne qui accueille ces gens. C'est même une offense, c'est une incivilité, c'est un, une marque de déshonneur. Et finalement, il y a un homme qui va arriver, un monsieur qui finit de travailler, qui va finalement leur proposer de venir chez eux. Lui-même ne vient pas de Gibea mais il dit, venez chez nous. Il va dire la phrase suivante. Ne passe pas la nuit sur la place. Reste pas là, viens chez nous. Je ne sais pas si tu t'es déjà fait dire, en hey, voyage là, à telle ville. Va pas le soir te promener dans la ville. Ne passe pas la nuit en pleine ville, ça peut être dangereux. Je me rappelle cette fois où est que moi et mon épouse, on fait un road trip, on s'en va et. Euh, on arrive dans une ville puis des gens nous avaient justement dit de, de ils nous avaient dit voici c'est très touristique à un certain endroit mais sors pas va pas dans, dans va pas te promener dans, dans les environs dans les quartiers environnants ça peut être dangereux Moi, je dis ok parfait mais alors qu'on est en voiture on arrive je me dis ok mais j'ai juste il faut juste que j'arrête chercher quelque chose dans un magasin j'avais besoin de quelque chose on s'arrête dans le stationnement je traverse la rue je m'en vais au magasin cinq dix minutes plus tard je reviens Ma femme avait barré les portes de la voiture, et là, je cogne dans la porte de la voiture, elle me laisse entrer. Elle dit Ça fait peut-être cinq minutes que tu es parti. Puis, tu vois, les gars là-bas, ils me criaient des bêtises, l'autre bord de la rue, parce que c'était un rassemblement, tout ça, puis ils criaient des bêtises. Tu vois que juste à ce moment-là, juste dans notre ici, dans ce qu'on voit, ça sent mauvais. Ça sent le propane. On dirait qu'il y a plein de petits signaux, Les vite un peu tout croches. Il y a plein de choses qui prennent place qui nous donnent des signaux que y a quelque chose qui va exploser bientôt. Et voici, on arrive à notre texte central. Ils arrivent de chez le monsieur. Verset 22. Comme leur cœur était content, donc ils passent un bon moment. Des hommes de la ville. Des hommes sans morale entourèrent la maison et se mirent à tambouriner à la porte. et frappent violemment, en disant au vieillard, le maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous ayons des relations, des relations sexuelles avec lui. Le maître de la maison sortit vers eux et leur dit Non, mes frères, n'agissez pas mal. Je vous en prie. Puis cet homme, euh, puisque cet homme est rentré chez moi, ne commettez pas une telle folie. Verset 24. Voici ma fille, qui est vierge, ainsi que la concubine de cet homme. Laissez-moi les faire sortir, je vous prie. Abusez d'elle et faites-leur ce qui vous plaira. Mais ne vous livrez pas à une telle folie sur cet homme. Ils ne voulurent pas l'écouter. Alors l'homme, le Lévite, saisit sa concubine et la leur amena dehors. Ils eurent des relations sexuelles avec elle et la brutalisèrent toute la nuit jusqu'au matin, puis la renvoyèrent au lever de l'aurore. Ce texte nous offusque. Ce texte est choquant et c'est le but. C'était choquant pour les premiers lecteurs aussi. J'aime ce que le pasteur Guetan a dit dernièrement. La Bible n'est ne, pas là pour raconter ce qui aurait dû se passer, mais seulement ce qui s'est passé. Dieu n'approuve pas tout ça, mais Dieu pose un constat. Une femme docteur a dit, une chance que ce texte est dans la Bible. Une chance. Pourquoi? parce qu'il démontre la laideur chez l'être humain. Il démontre que les abus sont choses possibles. Il démontre la gravité et le mal dévastateur que l'humain peut causer. Il y a des hommes immoraux qui vont trouver une faiblesse, qui vont exposer et exploiter la faiblesse. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité. Mais on le voit au travers de toutes les guerres. C'est toujours ça. On cherche la faiblesse, on expose la faiblesse, puis on l'exploite. Ces hommes-là veulent exploiter. Et on voit aussi l'échelle de valeur. La protection de l'invité était plus importante que la protection de la femme. Et évidemment, ça, ça correspond aux lois de l'hospitalité en vigueur dans l'Ancien Orient à cette époque. Effectivement, la, la femme avait très peu de considération. D'ailleurs, historiquement, c'est dû au christianisme que la femme a connu une émancipation. Et donc, l'homme, en voulant respecter son code d'honneur de haute, va enfreindre un autre bien plus important, selon nous, les lecteurs modernes. Et c'est celui de la protection de la femme. Et il y a deux choses, deux choses que je voudrais mettre en phase sur ce texte. Premièrement, le péché fait des victimes. La réalité, c'est que quand Dieu est absent, quand Dieu n'est plus là, quand le peuple s'éloigne de Dieu, le faible, le vulnérable est abusé. Quand on s'éloigne de ces lois, on laisse donc les privilégiés redéfinir ce qui est bien et mal. Et les, les, vulnérables, les vulnérables ont de moins en moins de droits. Des commentateurs vont dire que dans le livre des juges, tu peux évaluer la relation entre le peuple et Dieu de la manière que le peuple traite les femmes. Effectivement, au début, on voit que les femmes sont bien traitées. On voit même une juge qui s'appelle Déborah, une femme extraordinaire. Et vers la fin, chapitre 19, on voit une femme qui est donnée comme ça pour être abusée. Et tout ce récit fait écho à, peut-être que tu as ça en tête, justement, écho à Genèse, chapitre 19, à Sodome et Gomorrhe. Et on se dit entre Genèse et 19 et juge 19, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le peuple est sorti d'Égypte. Il y a eu Moïse, il y a eu les dix commandements, il y a eu la conquête de la terre promise. Puis on se dit, bien, il doit y avoir une évolution. Même pas. Même pas. Le cœur de l'homme est encore tout croche lorsqu'il rejette Dieu. Puis encore aujourd'hui, lorsque nous rejetons Dieu, on voit le mal dans l'homme, dans l'être humain. On a mis au poubelle nos valeurs judéo-chrétiennes, puis on s'est dit, nos nouvelles valeurs vont être maintenant basées sur nos feelings intérieurs. Ce que on croit qui semble bon pour tout le monde. Puis ça va être ça, nos nouvelles valeurs. Mais le problème avec ça, c'est que depuis toujours, ce qui est dans l'être humain, ce qui est dans son cœur, cause des injustices, des guerres et des famines, etc. Et comprends-moi bien, je ne suis pas pro-valeur judéo-chrétienne ou pro-bonne morale, je suis pro-Jésus. Je suis en train de démontrer que le cœur de l'être humain lui, laissé à lui-même fait juste causer des problèmes, des agressions, des, 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 des choses terribles et que nous avons besoin d'un changement de cœur et ça, c'est seulement possible par Jésus. Et lorsque ça n'a pas lieu, l'être humain tombe dans sa déchéance. Puis ici on voit le résultat la perversion sexuelle, un viol, un abus. Puis dans notre texte, les noms ne sont pas nommés. Tous les personnages n'ont pas un nom. Pourquoi Pour qu'on puisse généraliser. Parce que ce n'est pas l'histoire d'une seule femme. C'est peut-être ton histoire. Le péché fait des victimes. Et des gens ont été victimes du péché des autres. Un viol, un abus physique, l'abus psychologique. Et la question qui résonne toujours pour nous chrétiens aujourd'hui, c'est qui sont ces gens vulnérables, ces victimes? Nous pouvons penser aux personnes âgées, dans la solitude, dans leur foyer oublié, où parfois on entend des histoires terribles. Puis la Bible nous enseigne de prendre soin des vieillards, de la veuve et de les honorer. Qui sont ces gens vulnérables? Pendant plusieurs années en Amérique du Nord, les gens de différentes races étaient vulnérables. Et encore aujourd'hui, il y a du racisme. Et peu importe les politiques d'immigration, je sais que c'est extrêmement compliqué, Et peu importe comment tu te positionnes par rapport à ça, le fait est le suivant. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et que chaque être humain a une valeur devant Dieu qui sont ces gens les plus vulnérables. Un enfant sur trois en Amérique du Nord va grandir dans un foyer monoparental. Et la majorité du temps, c'est un foyer où le père est absent. Et un père absent amène toutes sortes de défis, toutes sortes de manquements et de carences. Ce sont eux les vulnérables. Ce sont eux les victimes de notre monde rempli de péchés. Les bébés sont vulnérables et ont besoin que nous les protégions. Les jeunes mères doivent être aidées. Les gens atteints par la maladie mentale ont besoin d'être soutenus. Les jeunes qui sont dans des foyers d'accueil ont besoin de, de soutien parce qu'ils sont vulnérables. Et à toi qui as été victime du péché des autres, vous savez, en. Hein, Quelques jours de préparation. Je ne suis pas un expert sur, sur comment prendre soin de toi. Je suis un pasteur. Mais je te dirais deux choses. Premièrement, ne reste pas sous silence. Parce que l'histoire de cette femme est dans la Bible. C'est quoi le rapport? Elle est là justement pour ça. Pour que nous en parlions. Pour que tu ne restes pas dans le silence. Et deuxièmement, j'aimerais te rappeler que tu n'es pas oublié. Tu n'es pas oublié. Et j'aimerais te pointer même vers Jésus. En Luc chapitre 7, on voit cette femme de mauvaise vie qui est avec Jésus. Puis ça l'offense un peu tout le monde qui est autour. Puis Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire, comme il, il le dit à plusieurs reprises dans plusieurs contextes, mais voici ce qu'il va dire. Là particulièrement, il va dire, littéralement, Luc chapitre 7, voyez-vous cette femme? Vois-tu ces femmes? Et cette phrase-là, cette semaine, a résonné dans mon cœur, Elle me demander, Max, pasteur, tu es, es pasteur d'une de, de église, est-ce que, est que tu vois ces gens, vois-tu ces gens victimes, vois-tu ces gens vulnérables, as-tu cette compassion-là? Est-ce que tu vois juste leur réputation, juste l'étiquette qui est sur eux, ou tu vois leur cœur, la, la valeur qu'elles ont, leur créature merveilleuse, ces gens, hommes et femmes, enfants, bébés qui sont à l'image de Dieu? Puis alors que j'étais là, je, je réalisais que je n'ai pas besoin de prier pour avoir plus de compassion. J'ai besoin de prier pour avoir plus de Jésus qui, lui, est compatissant. Qui, lui, nous donne une compassion à prendre soin des gens. Autour de nous, et chrétiens, nous sommes appelés à prendre soin, à avoir compassion des gens qui sont victimes du péché des autres, avoir une compassion. Mon épouse, à plusieurs reprises, me rappelle à quel point c'est important d'avoir compassion des autres. Mon épouse pense toujours aux autres. Elle est, tout, elle est extrêmement sensible, et juste à la maison, dans notre quotidien, elle pense à nous, elle pense à notre bien-être, et même au bien-être de ma chienne. Dernièrement, euh, ma chienne a dû subir une opération, stérilisation, et elle devait euh, arrêter de boire et manger pendant euh, le soir précédant sa, son opération. Alors, euh, elle devait arrêter de boire pour toute la soirée jusqu'au lendemain matin où elle avait son opération. Et ma femme nous a donc empêchés de boire de l'eau, moi et les enfants, par solidarité pour la chienne, par compassion. Et c'est cette idée de, de se mettre à la place de l'autre. Bon, ma femme pousse ça un peu loin, mais, mais lorsqu'on pense aux gens qui ont vécu des, des tragédies, qu'elles soient extrêmement graves ou, ou peut-être un peu moindres, c'est cette idée de, vois-tu cette femme? Pouvons-nous nous mettre à la place des autres? Nous sommes appelés à la compassion, mais aussi à la protection. Et si le péché fait des victimes, on voit dans ce texte que le péché fait aussi des lâches. Je ne sais pas si ça se dit partout en francophonie, mais des lâches. Si les noms ne sont pas nommés, c'est pour généraliser. Encore une fois, les noms ne sont pas nommés parce que ce n'est pas l'histoire d'un seul homme, c'est peut-être tristement ton histoire. On voit cet hôte, cet homme-là qui propose sa fille vierge qui propose la femme de son invité, comme si rien n'était. On voit le Lévite qui donne celle qui est allée auparavant le convaincre, il est, allé la, il est allé retourner pour la convaincre de venir avec lui. Là, il la donne. Tout ça pour sauver sa propre peau. Puis à aucun moment, il y a une repentance pour avoir une concubine ou pour la laisser à d'autres pour un viol de gang. Chrétien. Par l'Esprit de Dieu, nous sommes appelés à protéger les plus vulnérables. À protéger les plus vulnérables. Protéger des attaques extérieures. Cet homme aurait dû protéger des attaques extérieures. Des hommes immoraux, des pécheurs, de la perversion. Nous sommes appelés à protéger nos femmes, nos enfants, à éduquer nos garçons, à leur montrer c'est quoi de s'occuper des vulnérables, justement, à protéger les femmes. À avoir compassion des démunis, des monoparentaux, de, de la veuve et de venir en aide. Mais nous sommes aussi à protéger non seulement des attaques extérieures, mais aussi de l'intérieur. Tu es appelé à protéger de toi-même, de ta nature pécheresse, de ton rôle que tu prends peut-être d'une manière inactive ou passive tu es prêt à abandonner. Réalise ce matin que ton comportement, tes actions, tes paroles peuvent nuire à tes proches. Le cœur de l'homme est tortueux. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus. Ce courage, le Lévite ne l'a pas eu. Voici le restant du récit. Vers le matin, cette femme s'en vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son maître, jusqu'à ce qu'il fît jour. Au matin, son maître se leva, ouvrit la porte de la maison, et sortit pour continuer son chemin, mais, mais la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, la main sur le seuil, et lui dit, Lève-toi et allons-nous-en. Mais il n'y eut pas de réponse. Alors le mari la, la mit sur son âne et s'en alla chez lui. Il entra dans sa maison, prit le couteau, saisit sa concubine, la découpa membre par membre, en douze morceaux, et l'envoya ainsi dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela se disaient ⁇ Jamais rien de pareil n'est arrivé ni ne s'est vu depuis que les Israélites sont montés d'Égypte jusqu'à ce jour. Réfléchissez, tenez conseil, et parlez. Est-ce qu'on vient juste de lire la Bible ou un, un film de Quentin Tarantino? Si. C'est incroyable. Et cet homme-là sort, le Lévite sort pour continuer son chemin, comme si rien n'était, on dirait. Il dit, lève-toi. Il y a une froideur déconcertante, une indifférence. A, on dirait qu'il n'y a même pas de remords. Ensuite, il la découpe et il l'envoie dans les douze tribus d'Israël. C'est pourquoi c'est en douze morceaux pour les douze tribus. Et, et quel est le but de son message? Quel est le but de cet envoi-là? Est-ce que c'est de dire voici, on doit c'est terrible ce qui prend place en Israël, on doit se repentir revenir à Dieu? Même pas! Son but c'est juste de rallier toutes les tribus pour qu'il y ait vengeance sur Gibbéa. Pour qu'il y ait une guerre contre d'israélites, contre israélites. Puis il va même mentir, on le voit au chapitre 20, versets 4 à 6, à la suite, il va, il va même mentir lorsque les gens qui ont vu les morceaux, les, les membres de cette femme, ils vont lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé, des explications? Il va, il, va, il va changer un peu l'histoire pour se mettre à l'avantage, pour ne pas qu'elle ait l'air trop d'un méchant, mauvais, il va dire ah, c'est des notables qui ont essayé de m'attaquer. Il va dire ah, c'est moi qui vous avais l'intention de tuer Puis finalement, ils l'ont saisi, elle. C'est pas ça vraiment qui s'est passé. C'est lui qui l'a donnée, qui l'a abandonné. Puis il va dire à la fin, elle était morte. Chose qu'on ne sait pas. On voit qu'il n'y a aucun changement de cœur. Vous savez, lorsqu'on regarde un texte comme ça, il y a, il y a peu d'espoir. Mais lorsque tu connais Jésus, lorsque tu sais que, que tout a toujours rapport avec Jésus, lorsque tu sais qu'il y a une fin à l'histoire, que tu comprends que juge, c'est la déchéance humaine et c'est ce besoin d'avoir un plus grand roi tu vois les choses un peu différemment. Tu vois les choses avec des lunettes différentes. Hein? C'est comme, ils ont sorti les lunettes, les nouvelles lunettes de Apple. Hein? Puis, euh, ça va faire en sorte que, si, tu es dans ton salon chez vous, tu es en train de regarder un film de Star Wars, tu vas pouvoir mettre la fonction pour être assis dans ton salon et que tout ton environnement se transforme comme dans une planète sur Star Wars. Tu vas écouter ton émission en étant sur ta twin. Tu t'immerses tu, une, une expérience d'immersion. Et de la même manière, lorsque tu lis ça, mais avec les, les yeux et les lunettes de Jésus, tu vois les choses différemment. Il y a des clins d'œil qui me font penser à Jésus. Cette femme qui vient de Bethléem, hein, là où Jésus est né, qui voyage à Dodan comme Jésus, qui est offerte comme un substitut à la place de l'homme. Et nous savons que Jésus s'est offert à la croix à notre place. Et ça m'amène à, à cette espérance que, et se rappel pour nous tous que Jésus s'est livré, et lui, il s'est livré pour son épouse. Effectivement, Ephésiens chapitre 5, verset 25, renchérit en disant, Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église, a aimé son épouse. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Jésus s'est donné pour nous. Il a donné sa vie pour l'Église, pour son épouse. La femme a été démembrée, mais Christ lui a offert ses membres pour nous. La mort de Jésus est horrible, elle est sanguinaire. Elle est... La crucifixion, c'est l'un des traitements les plus ignobles tout comme la mort de cette femme. Sa mort nous a rachetés. Jésus, lui, n'a pas sacrifié son épouse pour qu'elle soit maltraitée ou pour sauver sa peau. Non, Jésus s'est offert. Il s'est sacrifié lui-même pour nous sauver. Et ainsi, nous pouvons mettre notre espoir en lui et en lui seul. Amen. Jésus s'est livré, lui, pour son épouse. Et je nous rappelle le contexte de tous les livres des juges. Verset 25, je relis encore. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait celui qui lui convenait. Tout ça nous rappelle que Jésus est le roi que tu as besoin. Ce texte nous renvoie à notre déchéance humaine. Ce texte nous renvoie à notre besoin d'avoir un roi qui règne et qui dirige paisiblement notre vie, que nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous guide dans tout ce que nous faisons au lieu de, de faire ce que bon nous semble, ce qui nous convient. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et le texte qu'on a lu ce matin, le récit cruel, Termine curieusement avec une, une portion où c'est très rare, le narrateur, celui qui écrit le récit, le narrateur va s'adresser au lecteur. C'est extrêmement rare qu'on voit ça dans l'Ancien Testament, mais il va dire, et je relis, Réfléchissez, tenez conseil et parlez. Et c'est comme si on raconte l'histoire, c'est cruel, c'est dégueulasse. Puis le lecteur s'arrête et dit juste, OK, on... réfléchis un peu. Prends le temps de réfléchir. Posez-vous des questions. En quoi ce texte veut dire quelque chose à nous? Et parlez. Parlez lorsqu'il y a une injustice. Enfin. Ce matin, j'aimerais nous appeler à, à la réflexion, justement, à se poser des questions et à la repentance. Éphésiens 5 qu'on a lu nous dit que Christ a donné sa vie pour nous, pour l'Église, afin de nous rendre dignes et purs. C'est pourquoi je, je vous appelle à la repentance, à être pur et sans tâche. Alors je vous inviterai à prendre un temps pour réfléchir, prier et aller à la repentance. Père éternel, ce matin nous voulons te reconnaître comme étant le Dieu saint. Et ton Fils Jésus nous a appris à dire et à prier, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est pourquoi aujourd'hui je dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parfois d'être lâche, de manquer de courage face à des situations, des injustices, puis de, de me taire, de garder le silence alors que ta Bible dit, parlez. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. Pardonne-moi d'ignorer, de, de, de tourner le regard. Seigneur, donne-moi le courage de me lever devant les injustices et devant les plus vulnérables. Donne-moi le courage de les protéger par ta grâce. Donne-moi aussi la, la compassion, Seigneur. Trop souvent, il y a de ces gens qui sont victimes de toutes sortes de choses, victimes finalement du péché. Pardonne-moi parce que je manque de compassion. Pardonne-moi parce que des fois, je veux juste solutionner, je veux juste les amener à passer à la prochaine étape, mais, mais je ne prends pas le temps de m'arrêter pour connecter et réaliser la douleur qu'ils ont ou qu'elles ont vécu. Seigneur, pardonne mon autosuffisance. Pardonne-moi, Saint Dieu, parce que ce texte me rappelle encore et encore que, que lorsqu'il n'y a pas de roi, ma vie peut juste aller n'importe comment. Pis trop souvent, c'est moi qui règne. Trop souvent, c'est moi qui décide. Trop souvent, c'est moi qui cherche à, à faire avancer les choses, à, à décider, à, à prendre les choses en main, à régner sur ma vie. Pardonne-moi parce que j'ai besoin de toi comme roi. Pardonne-moi parce que trop souvent, je fais ce qui me semble bon. Je fais, je, je prends toutes des décisions sur ce que je pense qui devrait être mieux pour moi, pour ma famille, pour l'Église, pour autour, pour les gens, pour, tout, tout pour moi-même, et, 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 et Seigneur, tu me rappelles que le Saint-Esprit est là pour nous diriger dans chaque pas, pour nous conduire dans la vérité, pour nous conduire. Seigneur. Donne-nous un cœur un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Dans le nom de Jésus. Merci pour cet amour sacrificiel. Merci parce que toi tu t'es livré pour nous sauver. Amen.